Salut, salut famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très 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 bien. On dit quoi? Bon, en tout cas, ça va. À part les palus qui sont en train de me rater, mais ils laissent pas le travail. Ouais, dans cette vidéo, j'ai pas grand chose à dire, hein, mais je pense que je prends quelques minutes pour regarder toute l'intégralité de la vidéo. Tu en tireras bon parti. Tu auras de très bons conseils dans cette vidéo. Je vais parler en images. Et ça va te donner beaucoup de conseils. Premier point. Comment réagir face à la provocation? J'avoue que moi-même, je me suis laissé emporter à un moment donné face au pic des fans de DJ Arafat et à tous ceux qui ne m'aiment pas personnellement. Et je me suis emporté avec des petites injures parce que moi j'aime pas les grossièretés. Voilà, ça c'est ce que je précise. Je vais dire, bien que quand je suis énervé, j'ai des propos un peu durs, mais il n'y a pas de grossièreté dedans. Soit je vais te dire que tu n'es pas trop intelligent, soit que tu es idiot, ou soit que tu es bête. Mais tu me verras jamais en train de dire mère con de ta maman, mère con de ton papa, mère con de tes aïeux, je suis pas ça. Mon éducation ne me le permet pas. Voilà. Je vais faire une genèse. Je vais expliquer quelque chose ici. Mon Debordo Likoufa, que j'adore, que j'aime de tout mon cœur, à ma manière bien sûr, parce que chaque personne a sa manière d'exprimer ses sentiments vis-à-vis d'une personnalité ou vis-à-vis de quelqu'un. Le mec qui chante depuis 2005. Le mec qui chante depuis 2005. De prime abord, sa page Facebook, il n'y a pas longtemps, je crois bien, s'il y a 2 ou 3 ans, qu'il a. Dieu merci, comme il est aimé, il est déjà à 200 000 abonnés. Alhamdoulilah. Mais, pas pour me lancer des fleurs, je veux juste rectifier le tir. S'il y a quelqu'un, ici à Abidjan, et même à l'extérieur du pays, qui a incité à faire découvrir les fans réels, ou bien on va dire tous les fans de Bordeaux, sans fausse modestie, mettez en commentaire, c'est toi Stéphane Ahuy. Voilà. Parce que il y a deux choses. Comme je l'ai dit dans une vidéo hier ou avant-hier, sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui viennent se faire voir. Il y a des personnes qui aiment se jouer les intéressés. Il y a des personnes qui veulent montrer que je suis plus qu'eux. Moi, je ne suis pas comme ça. Mon esprit est trop ouvert. Voilà. Si je prends cette caméra et puis je fais des vidéos, c'est parce que j'aime personnellement des Bordeaux. J'aime la tisse. C'est pourquoi quand il déraille souvent, j'ai le courage de lui dire que c'est pas comme ça on fait. On ne copie pas le mal, on copie toujours le bien. Il y a un truc qu'il faut comprendre, chers amis. Vous savez, vous pouvez être dans un groupe où il y a un ami, pour avoir de l'argent, il passe son temps à voler. Mais on l'attrape jamais. Et toi, tu l'envies. Tu te dis que bon, puisque tu cherches normalement de l'argent que tu ne gagnes pas, toi aussi tu vas aller voler. Ton premier vol, on va t'attraper, on te met au trou. Pour dire que quoi? C'est pas parce que X a ses manières à lui pour se faire une cote ou même pour se faire une popularité que toi aussi tu vas te sentir obligé de trouver ces mêmes moyens. Non, je suis désolé. Quand tu vois grand, quand tu vois énorme, quand tu vois puissant, quand tu vois loin, tu te mets au-dessus de ça. Chacun a son caractère. Je n'en dis qu'on vient pas. Mais comprenez que quand tu aimes réellement quelqu'un, tu ne peux que lui donner les conseils adéquats pour le faire évoluer. Je vais le dire. C'est pas parce que quelqu'un va insulter ma maman que je vais l'insulter aussi. Voilà, si vous voulez dire que je suis lâche. Mais les plus sages et les plus intelligents comprennent ce que je veux dire. C'est même pas une histoire de chrétienté, c'est même pas une histoire de croyance. À l'école, maman fait ça. On dit quand on est insulté avec quelqu'un, qui t'insulte imbécile,
bâtard, chien, de tous les noms que tu ne lui réponds pas. La discussion, si vous voulez, la dispute ne dure pas. Mais si tu t'amuses à lui répondre, c'est pas que ça va allonger la discussion, hein. Ça va en venir aux mains. Et soit tu es blessé, ou soit tu blesses. Dans tous les cas, il y a préjudice sur toi. Changeons nos mentalités. On n'a pas besoin de faire comme pour évoluer. Je suis très explicite dans cette vidéo. Et puis beaucoup me comprendront. Quand quelqu'un t'aime, il te donne de bons conseils. Il te donne les conseils adéquats pour te faire avancer. Au passage, on peut faire comme tous, hein. Moi j'ai fait ça pour des Bordeaux. Moi j'ai fait ceci pour des Bordeaux. Moi je suis ça pour des Bordeaux. Mais c'est quoi l'intérêt? Faut savoir que le mec en question, notre artiste là, il n'a pas 10 000 yeux ou bien 10 millions d'yeux pour vérifier qui est vrai fan ou pas. Moi j'avais dit dans cette chaîne, et je le dis dans toutes mes vidéos, je suis fan des Bordeaux. Et mon seul témoin c'est Dieu, parce que malgré toutes mes vidéos, malgré tout ce que je fais, malgré tout mon abnégation pour mon artiste, il y a toujours des critiques, ce qui est normal. On ne peut pas les éviter. Mais j'ai dit aussi que ma chaîne n'était pas exclusivement des Bordeaux. Si c'est ce qui a gêné beaucoup de personnes, franchement, je vous demande encore pardon. Mais retenez au moins cette phrase. Je soutiens des Bordeaux dans tout ce qu'il fait. Rappelez-vous le temps de la période du concert où je mobilisais tout le monde entier, la diaspora, la Côte d'Ivoire, la sous-région, pour le concert des Bordeaux. On me disait que tu mobilises, c'est bien, c'est vrai, tu fais un bon travail. Mais et ton ticket? J'ai eu le courage de dire que je ne suis même pas obligé de payer un ticket. Parce que Dieu seul sait que ce que j'ai fait, ou ce que je fais actuellement pour l'argent de ce concert-là, c'est plus qu'un ticket de 10 000. Vous voyez grand, vous voyez au-delà. Ne soyez pas limité. Mais tellement que je suis plein d'humilité, j'ai dit bon, si je ne monte pas mon ticket et puis je viens dire demain que je suis allé au concert, personne ne va me croire. J'ai fait ma vidéo tranquille, j'ai montré mes tickets. Et c'était pas un seul ticket. Pour dire que quoi? Il y avait plus important qu'acheter ces tickets-là. C'était de mobiliser les gens. Parce qu'il y avait la concurrence en face qui voulait boycotter nos conseils. Mais j'espère qu'on s'est compris. Je ne serai pas trop long. Sachez que moi, je suis fan de Bordeaux. Et je fais pas des vidéos plus pleines, non. Je fais des vidéos pour le soutenir dans sa carrière. Mais que lui aussi, qu'il fasse beaucoup de preuves d'humilité et beaucoup d'écoute. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas parfaits. Mais nos petits conseils peuvent changer beaucoup de choses dans sa vie. Il n'est pas malheureux, il s'en sort très très bien, ça je vous le dis. C'est les artistes ivoiriens qui octroie les plus gros cachets, ça je vous le dis. Mais la vie ne se limite pas qu'à l'argent. Il faut marquer son histoire. Et on ne marque pas son histoire seulement sur un territoire national ou bien dans une ville, mais partout dans le monde. C'est mon message du jour. Sachez que je serai toujours pour des Bordeaux. Et je ferai même un son hommage pour lui, pour exprimer tout ce que je ressens pour lui. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée.